Mes chers élèves, bonjour. Je vous propose les bonnes manières. C'est un très bon livre pour les élèves de deuxième année primaire. Alors, je parle aux parents. Les bonnes manières, c'est un support pédagogique pour communiquer en français à travers des situations de communication réelles de tous les jours. On propose des jeux de rôle, dialogues et pièces de théâtre pour que votre enfant s'imprègne de ces conseils et de ces règles. Alors aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon dans la première partie. Qu'est-ce que les mots magiques? On va comprendre qu'est-ce que les mots magiques et quand utilise-t-on les mots magiques? Alors la leçon d'aujourd'hui, c'est j'utilise les mots magiques. J'utilise les mots magiques. Comme l'exemple de bonjour, il faut lever la main pour prendre la parole, etc. Allons-y, allons-y. J'utilise les mots magiques. J'utilise les mots magiques. C'est le titre de la leçon de les bonnes manières. C'est la troisième leçon. Alors ici, vous avez des situations de communication. Regardez s'il vous plaît. Il y a ici des situations de communication. Alors je vois ici le père qui blâme son enfant. C'est très bon. Il y a, par exemple, l'enfant remercie sa maman. Qu'est-ce qu'il fait là? Elle verse l'eau sur le sol. C'est impoli, c'est très méchant. Alors, l'autre, il y a une amie qui offre un cadeau à son ami. Par exemple, Rita présente un cadeau à son ami Ahmed. Alors, je relis le mot magique à la situation qui l'illustre. Merci. Excuse-moi. Alors, je vois tout simplement que merci s'utilise ici, dans cette situation. Alors, lors du repas, la mère a déjà préparé le repas de déjeuner, par exemple. Alors, son enfant l'a remercié en disant merci. Merci maman. Tu es très gentil. Tu as préparé un bon repas. Merci pour tes efforts pour nous. Merci maman. Tu as déjà préparé un bon repas. Merci encore une fois. Alors ici, excuse-moi s'utilise ici dans cette situation. Excuse-moi, est-ce que c'est pour moi? Oui, c'est pour toi. C'est un cadeau d'anniversaire. Merci, merci beaucoup. Excuse-moi, est-ce que c'est pour moi ce cadeau? Oui, c'est pour toi. C'est pour ton anniversaire. Merci, merci beaucoup. Mais les autres situations, non. Je vois ici un père qui blâme son enfant. Ici, un enfant qui verse l'eau. C'est un gaspillage. Regardons. Cet enfant gaspille l'eau. D'accord? Elle laisse couler l'eau sur le sol. Alors, c'est un gaspillage. C'est très méchant. Et aussi, le père est très sévère. L'enfant
est tout à fait triste. Il pleure. C'est une situation vraiment malheureuse. Alors, cette situation, on a déjà vu. La maman a préparé un repas. Son enfant l'a remercié pour ses efforts. Ici, Rita offre un cadeau à son ami Ahmed à l'occasion de son anniversaire. Ahmed dit, excuse-moi, est-ce que c'est pour moi? Oui, c'est pour toi. C'est un cadeau d'anniversaire. Merci, merci beaucoup. Tu es vraiment gentil. Voilà, on passe à autre chose maintenant. Jeu de rôle. Toujours avec, j'utilise les mots magiques. S'il vous plaît, savez-vous quelle heure il est? Lorsque je parle avec un inconnu dans la rue et je ne sais pas quelle heure il est, je dis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Savez-vous quelle heure il est? Il est 15 heures, mon petit. Merci beaucoup, madame. Ou, par exemple, merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Merci beaucoup, madame. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Ou, merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi de vous avoir dérangé. S'il vous plaît. Alors, on joue de rôle. C'est un jeu de rôle. On va jouer ce rôle. S'il vous plaît, savez-vous quelle heure il est? Elle est 15 heures, mon petit. Merci beaucoup, madame. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Une autre façon. S'il vous plaît, savez-vous quelle heure il est? Elle est 15 heures, mon petit. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi de vous avoir dérangé. C'est ce qu'on appelle des mots magiques, comme merci, excuse-moi, s'il vous plaît, merci beaucoup, excusez-moi, etc. Ok. Les bonnes manières. C'est fini pour aujourd'hui. On vient d'apprendre la façon de utiliser les mots magiques. On vient d'apprendre la façon d'utiliser les mots magiques. D'accord? Alors, quand utilise-t-on les mots magiques et qu'est-ce que les mots magiques, comme l'exemple de excuse-moi, excusez-moi, s'il te plaît, s'il vous plaît, merci, merci beaucoup. Voilà. Alors, à la prochaine vidéo et être toujours patient d'avoir de nouveautés concernant les bonnes manières. Au revoir, mes chers amis.